Abati, chef quartier d'Anakwame Kota Koulas. Togui Afasou, chef canton de Bain. Vénéré chef traditionnel, honorable autorité administrative, politique et religieuse, Monsieur le Président ou représentant de l'AIFEL, Ligue internationale de l'amitié Togo, Monsieur le Président ou représentant de la CEJP, Conseil épiscopal, justice et paix Togo, Monsieur le Président ou représentant de l'UMT, Union musulmane du Togo, Monsieur le Président et membre CDQ à la Pomme Kota Koulas ainsi que environnant, chers vaillants journalistes de presse et médias, distingués invités, chères populations de la Pomme Kota Koulas et environnant, mesdames et messieurs, c'est avec une joie que je prends la parole au nom de la CVDTP, cellule de veille togolaise contre le terrorisme et pour la paix, pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à cette sensibilisation de mars dont le thème est la lutte contre l'extrémisme et pour la paix. Pour commencer la sensibilisation, je tiens à donner les raisons pour lesquelles la CVDTP est née. Et nous le savons tous très bien que ça fait quelques années, nous avons connu l'ampleur de ce mouvement appelé le terrorisme. Et ce mouvement a gagné tout le monde entier, notamment l'Afrique de l'Ouest. Et notre cher pays n'est pas épargné de par sa position dans la sous-région. Ainsi, pour pallier ou alors pour se préserver de ce mal, ce fléau, nous avons décidé, nous jeunes de la CVDTP, de créer cette association qui n'est qu'une association qui participe à la sensibilisation, à l'éducation de la jeunesse et de la population togolaise en vue d'aider la sécurité togolaise à éradiquer ce mal une fois de bon dans notre cher pays, le Togo. Merci. Bienvenue cette fois-ci au thème du jour. Nous disons donc que l'extrémisme, comme le mot l'indique, est une tendance qui fait recours à des moyens extrêmes pour parvenir à ses fins. Et les moyens extrêmes dont nous faisons allusion ici est la violence. Du coup, l'extrémisme, c'est le recours à la violence pour aboutir à des revendications, que ce soit d'ordre politique, religieuse ou encore social, conduisant ainsi à des actes terroristes. La CVDTP, la cellule de veille togolaise contre le terrorisme et pour la paix, est ici ce soir pour alors dire non à la violence entre nous Togolais, fils et filles d'une même nation, occupant une même espace, la terre de nos aïeux. Nous sommes alors condamnés à vivre ensemble comme des amis, sinon, périssons tous comme des imbéciles. Et je pense bien que c'est Martin Luther King qui l'a dit ainsi. Certes, nous avons nos divergences politiques, religieuses, socioculturelles et autres, mais nous devons également apprendre à régler nos différends ou antagonismes de façon pacifique. La paix nous unis et ensemble, nous sommes plus forts que nos ennemis. Si l'ennemi de l'homme, c'est bien l'homme lui-même. D'autre part, la CVDTP appelle toute la population togolaise, en l'occurrence celle de la Kwame Kota Koulas et environnante, à la vigilance, à l'éveil contre le terrorisme, ce fléau contaminant qui frappe déjà nos portes.
et exhorte par la même occasion tout citoyen togolais à vivre de façon patriotique. Surtout, cette culture de dénoncer le suspect si en a lieu. Que les dames du Niger, du Nigeria, du Burkina Faso ou encore du Bénin voisin récent nous servent d'exemple et interpellent nos consciences afin que nous puissions vivre ensemble et se lever comme un seul homme contre notre ennemi que j'ai nommé ici le terrorisme. Vive la paix pour que vive le Togo solidaire sans le terrorisme. CVDTP. CVDTP, vigilance, vigilance, vigilance. Merci.